Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo C'est en Capostique et on se retrouve pour une nouvelle histoire de la danse. Aujourd'hui on va s'intéresser à une région de l'Italie, du sud de l'Italie, la région des Pouilles, où il y a une danse traditionnelle, la tarentelle. Est-ce que c'est un rituel thérapeutique? Est-ce que c'est juste un mythe, une légende qu'on a raconté au fur et à mesure des années? Parce que oui, cette danse elle est bien particulière, ce serait une danse thérapeutique pour soigner des morsures de tarentule et cette morsure de tarentule elle provoquerait le tarentisme. Là on aurait tous les effets de la maladie possible, on a de la dépression, de la mélancolie, des douleurs abdominales, de la fatigue. Et cette danse, elle serait apparue dès le 15e siècle, et on aurait aussi des écrits venant du manifeste de Goethe, qui relate d'une danse traditionnelle thérapeutique qu'il a découvert pendant un de ses voyages en Italie, à Naples. Et si aujourd'hui je m'intéresse à cette danse, c'est parce que je vous ai dit à travers toutes les vidéos qu'on a énormément de danses traditionnelles, de rites à travers le monde, dans des cultures très différentes, mais qui relatent au fur et à mesure, dans l'absolu, un peu de la même chose. On est par rapport à des danses thérapeutiques, et donc là est tout l'intérêt de cette histoire. La tarentule te pique, et apparemment, le seul moyen de te faire guérir de cette morsure serait de te faire danser jusqu'à suer pour transpirer la maladie, pour qu'elle évacue de ton corps. Toute cette danse, elle a un déroulé bien précis. On va être dans la séduction de l'araignée. Nous allons danser pour l'araignée. C'est vraiment un des moments charnières des cérémonies. C'est comme si on venait séduire l'araignée pour avoir son approbation et ainsi guérir de la maladie. Et cette séduction, elle n'est pas seulement du point de vue de la danse, mais aussi de la musique. Parce que pour les plus perspicaces d'entre vous, vous vous doutez que la tarentelle n'est pas seulement une danse, mais aussi une musique. Et donc la recherche de la séduction passe aussi par la recherche du bon rythme, de la bonne musique. Et vous allez voir aussi que la musique, c'est tout un point particulier de cette tradition, de ce rituel. Puisque la morsure est musicale, elle ne peut être évoquée qu'en jouant de la musique, puisque la tarentule se déplace en dansant la tarentelle. Il faudra la lui faire danser. Enfin, puisqu'elle aime les couleurs, on devra lui lancer toute une gamme de tissus, de rubans et d'étoffes. Le premier moment du rite consiste à engager un dialogue avec l'araignée. Et pour cela, il faudra trouver la note juste, l'air qui lui convient et la couleur qui est la sienne. Les musiciens, tels une véritable équipe thérapeutique au travail, sont les intermédiaires entre les individus. Ce sont le plus souvent des femmes possédées par les araignées et le sacré. Ils interviewent la bête, posent ce qu'il lui faut bien appeler un diagnostic, qui entraînera à son tour un pronostic. Certaines tarentulées sont allergiques à certaines mélodies, à certains pas de danse et à certaines couleurs. D'autres, en revanche, dès que la note juste a été trouvée, éprouvent une irrésistible impulsion à danser la tarentelle. Le fait que ça soit que des femmes qui soient touchées par cette maladie, on va y revenir en fin de vidéo. Quelles sont les caractéristiques de cette danse? Et à travers un des articles que je vous mets en description, on en y apprend un peu plus. Elles rampent sur le dos, en poussant des cris, grimpent sur l'autel, et puisqu'elles sont devenues des tarentules, la foule des fidèles rassemblés pour la circonstance ne s'en approche qu'avec précaution. Car, comme on dit à Galatina, elles sont dangereuses. Mais un des premiers points qui m'interpelle dans cette vidéo, c'est que cette description n'a rien à voir avec les vidéos de tarentelles que je peux trouver sur internet. Comme si on parlait pas de la même chose. Comme s'il y avait un certain mensonge. Concernant la musique, je vous ai dit que la tarentelle, c'est une rythmique, une musique très populaire et très connue. Si vous avez fait peut-être des cours de danse classique, ou vous étudiez un peu la musique classique, vous allez peut-être entendre la tarentelle revenir parce qu'il y a énormément de grands compositeurs du XXe siècle qui vont reprendre ce rythme, cette musique, pour composer des œuvres. Et au niveau de l'instrumentation, on est sur de la cornemuse, de la guitare, de la lyra et surtout le tambourin. Le tambourin, c'est un des instruments principaux de cette danse. Il est porté par les danseurs et il y a énormément de rythmique qui est joué avec le tambourin pendant le rituel. Et on a aussi le friscaletto, c'est une petite flûte italienne. Et une des caractéristiques aussi de cette musique, c'est qu'elle est en ternaire. Beaucoup de rythmes en ternaire ont pour signification, définition, interprétation de provoquer un engagement total du corps, d'avoir cette chose qui roule vers l'avant. C'est quelque chose qu'on peut débattre, c'est pas anodin. Et encore plus quand on parle d'une danse qui t'amène à une transe. Et donc voici les premières nuances de la vidéo.
Je vous ai dit que cette histoire, c'est probablement un mythe. Ça a bien existé, hein, ça, y a pas de souci. Mais il y a quelques nuances à importer. Parce que cette piqûre de tarentule, elle ne serait pas si offensive que ça. Et certaines piqûres de tarentule même ne font rien pour l'homme. Ne la tue pas, ne rend pas l'homme en transe, ne provoque pas tous ces aspects du tarentisme que je vous ai dit. Certains parlent plutôt de la veuve noire, qui est déjà une araignée plus offensive, qui attaque plus l'homme et qui est un peu plus venimeuse, mais toujours est-il que c'est pas une araignée qui provoque tous ces aspects de la maladie. Seconde nuance, il est dit concernant la tarentelle que c'est une danse qui a une vertu thérapeutique parce qu'elle te fait transpirer et à travers la transpiration tu vas évacuer les toxines de la maladie. Sauf que, suer permet-il de guérir les maladies? C'est bien ce que je me suis posé comme question et je suis allé faire 2-3 recherches sur internet et j'ai trouvé quelque chose de plutôt intéressant. Un article du National Geographic parle de ça. Est-ce que la sueur évacue la maladie? Et dans cet article, il relate d'une certaine expérience d'une femme qui a essayé de transpirer pour évacuer une maladie. Vous allez voir, c'est quand même extrême, mais tout de même, on peut s'interroger sur les bienfaits de la sueur. En excès, cette thérapie par la transpiration peut être mortelle. Au Québec, une femme de 35 ans est décédée des suites d'une cure thermale détoxifiante. Enduite de boue, enveloppée de plastique et la tête dans une boîte en carton, elle a transpiré pendant 9 heures sous des couvertures. Elle est morte d'hyperthermie sévère quelques heures après la cure. Ça m'étonnerait quand même que les Italiens, à cette époque, faisaient des cures comme ça debout, ils se mettaient la tête dans les cartons pour suer. S'ils avaient eu connaissance de cette pratique, je sais pas s'ils l'auraient fait. Justement parce que pour eux, peut-être que la danse, ça permet d'extérioriser quelque chose. Parce que si la sudation était le seul moyen de guérir de cette maladie, il n'aurait peut-être pas fait que danser. Et comme dans chaque histoire de la danse que je vous relate depuis 2-3 épisodes, il y a toujours une histoire de religion derrière. Parce que c'est quand même bizarre. On a une morsure de tarentule qui provoque le tarentisme, et le seul moyen d'évacuer cette maladie, c'est en dansant. De plus, on apprend que cette morsure de tarentule, elle n'est pas tout au long de l'année, elle est que l'été. La répétition saisonnière d'une morsure fictive où l'on mime une série de symptômes qui, eux, sont bien réels, le fait qu'à Galena, le 29 juin de chaque année, les tarentulés affluent de toute la province pour se mettre sous la protection de l'apôtre des gentils, le fait qu'il serait de fort mauvais goût de jouer à la tarentule dans ce bastion de Saint-Paul, qui jouit aux yeux des habitants de la région d'une immunité totale ou hors saison, tout cela nous indique déjà les limites de l'approche proprement médicale du phénomène, qui est d'emblée discipliné, canalisé, ordonné et façonné dans les cadres d'un dispositif liturgique dont nous allons maintenant parler. Donc il y a quand même plusieurs aspects qui nous indiquent que toute cette histoire de danse de sudation autour de la piqûre de la tarentule, c'est peut-être une histoire qu'on a inventée juste pour se permettre de danser dans une Italie, à l'époque, qui est quand même bien conservatrice au niveau de la religion et qui interdit certaines pratiques, justement par rapport à l'expression du corps. Parce que moi, ce qui m'interroge aussi d'emblée, c'est que cette danse, la tarentelle, comme vous l'avez vu sur la vidéo, c'est quand même une danse de couple, sociale, qui demande de la répétition, qui a une certaine tenue du corps. Et c'est quand même fou qu'une morsure de tarentule, qui provoque tous ces effets de dépression, de fatigue, provoque cette danse-là. C'est quand même une danse qui demande beaucoup d'entraînement. Ont-ils inventé une histoire de morsure juste pour s'autoriser à danser? Et qui veut s'autoriser à danser? Ce n'est pas toute la population déjà qui est touchée par cette morsure. Ce sont surtout des jeunes femmes. Et comme dans la précédente histoire avec l'épidémie de danse, c'est d'abord une femme qui devient hystérique et qui commence à danser. Certains articles parlent de soigner l'hystérie des femmes. Donc est-ce qu'on n'aurait pas inventé toute une histoire de morsure de tarentule juste pour permettre aux femmes de l'époque de soigner leur soi-disant hystérie par la transe, et donc on a fait tout un rituel thérapeutique, toute une histoire, tout un mythe pour permettre aux femmes d'extérioriser cette société à l'époque italienne qui était bien différente de la nôtre aujourd'hui. Dans une société patriarcale qui étouffe la femme et interdit l'amour en dehors du mariage, la possession par l'araignée est une des solutions possibles mises à la disposition des jeunes filles en fleurs condamnées à la continence sexuelle, des épouses recluses et des veuves, pour qu'elle se libère d'un passé d'exploitation, de soumission et de pauvreté. Donc déjà, l'histoire prend une toute autre tournure. D'un côté, les femmes jouent les amours interdites ou malheureuses. De l'autre, elles se livrent dans l'horizon cérémoniel qui est mis chaque été à leur disposition, à ce qu'il faut bien appeler un passage à l'acte. Même s'il est mimé sur le mode symbolique, on transforme ainsi son désespoir et sa lassitude en joie et en espérance. On dilapide en quelques jours tout ce que l'on possède pour payer ces petits orchestres qui vont de maison en maison pour la réalisation de paradis éphémères, qui n'ont après tout rien d'artificiel. Et c'est encore une idée qui renforce le fait que tout cela s'est bien monté, parce que si
t'es en face d'une tarentule qui te pique, comment c'est possible que tu te mettes à danser une danse de couple sociale qui demande un entraînement et qui, de plus, nécessite un orchestre. Faut que ce petit orchestre se forme, faut que tu danses face à l'araignée, faut qu'elle ait ton approbation. C'est quand même une sacrée histoire juste pour des femmes qui voudraient extérioriser leurs mots. Ces cérémonies permettent tout à la fois de débloquer les impulsions agressives qui mordent et remordent les possédés à la saison chaude et de libérer l'étreinte érotique interdite hors saison. On est dans une société où les femmes n'ont pas le droit de faire ce qu'elles veulent, n'ont pas le droit d'exprimer leurs désirs comme elles le souhaitent, et donc on leur a réservé un espèce de rituel en été où on parle d'une histoire de morsure pour alléger ce récit par rapport à l'église et ainsi leur permettre de danser comme elles le veulent pour exprimer leur liberté. Retrouver un semblant de liberté. La tarentule serait la figure de proue, le symbole d'une population, surtout les femmes, cherchant à extérioriser leurs angoisses individuelles. Sans ce mythe, la danse serait vue comme juste une expression vulgaire du corps, quelque chose qui dépasse de la vie religieuse à l'époque. Et il y en a plein des danses de guérison à travers le monde, mais nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur cette tarentelle, et même si vous voulez expérimenter et que vous êtes de passage en Italie, je vous invite à aller à ce festival, la Notte della Taranta, qui répertorie un peu, qui conserve cette histoire de la tarentelle avec des cérémonies bien précises, une musique bien précise. Et c'est un festival maintenant qui existe depuis 26 ans. Et il rassemble plusieurs centaines de milliers de personnes chaque année. Ce festival a pour but de valoriser la culture italienne du Sud, donc la tarentelle, la musique et tout ce qui est rattaché autour. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à aller suivre les prochaines actualités sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager tout ça si ça vous a plu. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à tous.